Aidez-moi faire. Je sais mon métier. Dieu merci. Ce n'est pas le lundi que je me mêle de découvrir des vols. Il faut faire de débourser tranquille. Vous dites qu'il y avait dans cette cassette. 10 000 écus. Banque conquis. 10 000 écus. 10 000 écus. Le vol est considérable. Ce crime est terrible. Qui sont... En quelle espèce était cette femme? L'eau de... Qui s'obtenez-vous de ce vol? Comment? Il faut, si vous croyez, tâcher justement d'attraper quelques preuves. Je m'en vais revenir, qu'on me le pende et qu'on me l'égorge au plancher. Qui? Celui qui m'a dérobé? Non, je parle de votre cochon de lait, de votre cher intendant. Et monsieur, de votre souper? Il faut aussi, mon cher ami, ne rien cacher à son maître. Ma foi, je montrerai tout ce que je sais faire. Ce n'est pas là l'affaire. Si je ne vous sais pas aussi bonne chère, c'est la faute de monsieur votre intendant. Traître, il s'agit d'autre chose que de souper. Et je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin, et je m'en vais te pendre si tu ne me le rends. Mon Dieu, ne le maltraitez point. Je vois à sa mine qu'il est honnête homme. Et aujourd'hui, on lui a pris son argent aujourd'hui. Et il ne veut pas que vous ne sachiez quelques nouvelles de cette affaire. Voici ce qu'il me faut pour me venger de monsieur son cher intendant. Qu'as-tu ruminé? Laissez le faire. Je crois que c'est monsieur votre cher intendant qui a fait le coup. Valère? Oui. Lui qui m'est si fidèle? Lui-même. Et sur quoi le crois-tu? L'as-tu vu rôder près du lieu où j'ai mis mon argent? Oui. Et où était cet argent? Dans le jardin. Voilà, j'ai vu dans le jardin. Et dans quoi était cet argent? Dans une cassette. Voilà l'affaire. Je l'ai vu avec une cassette. Et comment était-elle faite, cette cassette? Je verrai bien si c'est la mienne. Comment elle est faite? Oui. Elle est faite comme une cassette. Cela s'entend, mais dépeignez-la un peu pour la voir. C'est une grande cassette. Celle qu'on m'a volée est petite. Oui, elle est petite. Mais enfin, je l'appelle grande pour ce qu'il y a dedans. Il n'y a point de doute. C'est elle, assurément. Écrivez, monsieur, écrivez. Si elle, à qui désormais se fier, on ne peut plus jurer de rien à personne. Et après cela, je suis âme à me pendre moi-même. Monsieur, le voilà qu'il revient. Ne lui dites pas que c'est moi qui vous ai dit ça. Confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui ait jamais été commis. Que voulez-vous, monsieur? Comment, traître, tu ne rougis pas de ton crime? De quel crime voulez-vous donc parler? De quel crime je veux parler? L'affaire est découverte. Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux point chercher de détour et vous nier la chose. Oh, aurais-je deviné sans y penser? C'était mon dessein de vous en parler. Et je voulais attendre pour cela des conjonctures favorables. Mais puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher et de bien vouloir entendre mes raisons. Et quelle belle raison peux-tu me donner? Voleur infâme! Je n'ai point mérité ces noms. J'ai commis une offense envers vous, mais après tout, ma faute est pardonnable. Comment pardonnable? Un guet-apens? Un assassinat de la sorte? De grâce, monsieur, ne vous mettez point en colère. Quand vous mourrez, oui, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais. Mon sang, mes entrailles, Pandare! Mais, dis-moi, qui t'a amené à cette affaire? Hélas, me le demandez-vous? Oui, vraiment, je te le demande. Un dieu qui porte les excuses de ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour? Bel amour, ma foi. L'amour de mes louis d'or. Non, monsieur. Ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté. Ce n'est point cela qui m'a ébloui. Et je proteste de ne prétendre rien à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. N'en ferai, de par tous les diables. Je ne vous laisserai point. Qu'est-ce à dire à cela? Nous sommes promis une foi mutuelle et avons fait serment de ne nous point abandonner. Le serment est admirable et la promesse plaisante. Oui, nous nous sommes engagés l'un à l'autre à jamais. Je vous en empêcherai bien, je vous assure. Rien que la mort ne nous peut séparer.
C'est d'être bien bien endiablé après mon argent. Non, monsieur, je vous ai déjà dit que ce n'est point l'intérêt qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi selon les ressorts que vous pensez. Et c'est un intérêt plus pur qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait. Vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien. Vous en userez comme vous voudrez. Je suis prête à souffrir toutes les violences qu'il vous plaira. Mais je vous prie de croire que s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il en faut accuser. Et que votre fille, en tout ceci, n'est aucunement coupable. Je le crois bien, vraiment. Il aurait été étrange que ma fille eût trempé dans ce crime. Mais je veux revoir mon affaire. Et que tu me dises en quel endroit tu me l'as enlevée. Mais je ne l'ai pas enlevée. Elle est encore chez vous. Oh, ma chère Cassette. Tu n'y as point touché, dis-moi. Moi ? T'es touchée ? Mais vous lui faites du tort aussi bien qu'à moi. Et c'est d'une ardeur toute pure que j'ai brûlée pour elle. Brûlée pour ma cassette. J'aurais préféré mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma cassette trop honnête. Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vie. Et aucune pensée criminelle n'a provoqué la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma cassette, il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Dame Claude, monsieur, c'est tout de cette aventure et vous pouvez rendre témoignage. Quoi ? Ma servante est complice de l'affaire ? Oui, elle a été témoin de notre engagement et c'est après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle a résolu à m'aider à ce que votre fille me donne sa foi et reçoive la mienne. Est-ce que la peur de la justice se fait extraverte ? Et le fait extravaguer. Mais que nous brûles-tu ici de ma fille ? Je dis que j'ai eu toutes les peines du monde à lui faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. La pudeur de qui ? De votre fille. Et ce n'est que depuis hier qu'elle a consenti à me signer une promesse de mariage. Quoi ? Ma fille, t'as signé une promesse de mariage ? Oui, comme de ma part je lui en ai signé une. Au ciel, notre disgrâce. Écrivez, monsieur, écrivez. Engrègement de mal, surcroît de désespoir. Mais allons, monsieur, faites-le du de vos charges et de régler chez lui son procès comme larron et comme suborneur. Ce sont des noms qui ne me sont point venus. Et quand on saura qui je suis... Ah, fille scélérate, fille indigne d'un père comme moi, tu lui engages ta foi sans mon consentement. Quatre bonnes murailles me répondront de ta conduite et une bonne potence me feront raison de ton audace. Ah, mon père, prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie. Moi, étrange que je me sois donnée à lui lorsque vous saurez que vous ne mourriez plus il y a longtemps. Oui, mon père, c'est celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez que je courus dans l'eau et à qui vous devez la vie de cette même fille, donc. Il valut bien mieux pour moi qu'il te laissa noyer que de faire ce qu'il a fait. Ah, mon père, je vous conjure par l'amour paternel de me laisser. Il faut que la justice fasse son devoir. Tu me payeras mes coups de bâton. Voici un étrange embarras. Seigneur Orpagon, je vous vois tout ému. Ah, Seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. On m'assassine. Voilà un traître qui s'est glissé chez moi sous le titre de domestique pour dérober mon argent et subordonner ma fille. Qui songe à votre argent ? Oui, ils se sont donné l'un à l'autre une promesse de mariage. Cet affront vous regarde, Seigneur Anselme, et il faut que vous vous rendiez justice pour vous venger de son audace. Ce n'est point mon dessein de me faire épouser par force. Voilà un monsieur qui est honnête commissaire, qui n'oubliera rien. Chargez les choses comme il faut et rendez-les bien criminelles. Je ne vois pas de quel crime on peut me faire de la passion que j'ai pour votre fille. Je me fiche de tous ces comptes. Sachez que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Tout beau, prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne pensez. Je ne suis point homme à rien craindre. Et si Naples vous est connu, vous savez qui était Dom Thomas d'Albursi ? Sans doute, je le sais. Et peu de gens l'ont connu mieux que moi. Je ne me soucie ni Dom Thomas ni Dom Martin. De grâce, laissez-le parler. Nous verrons ce qu'il en veut dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour. Lui ? Oui. Quoi ? Vous osez vous dire fils de Don Thomas d'Albursi ? Oui, je l'ose, et je soutiendrai cette vérité qui que ce soit. Apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans, que l'homme dont vous nous parlez périt sur mer avec ses enfants et sa femme. Oui, mais apprenez pour vous confondre, vous, que son fils, âgé de 7 ans, avec son domestique, fut sauvé de ce naufrage par un vaisseau espagnol, et que ce vaisseau sauvé est celui qui vous parle.
Apprenez aussi que le capitaine de ce navire me fit élever comme son propre fils, que j'ai su depuis peu que mon père n'était point mort comme je l'avais toujours cru, que, passant ici pour aller chercher la monture, me fit voir la charmante Élise, que cette vue me rendit esclave de ses beautés. Mais quel témoignage encore, autre que vos paroles, nous peuvent assurer que ce ne soit point une fable? Le capitaine espagnol, un cachet de rubis qui était à mon père, un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras, le vieux Pedro, ce capitaine qui se sauva avec moi du naufrage. Hélas, tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère. Vous, ma sœur? Oui, le ciel ne nous fit point périr que dans ce triste naufrage, et ce fut des corsaires que nous recueillions ma mère et moi. Après 10 ans d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit notre liberté et nous retournâmes dans Naples. Ô ciel, embrassez-moi, mes enfants, et mêlez tous deux vos transports à ceux de votre père. Vous êtes notre père? C'est vous que ma mère a tant pleuré? Oui, mon fils, oui, ma fille, je suis Don Thomas d'Alburcy, et qui vous ayant tout cru mort pendant plus de 16 ans, je me suis habitué ici ou sous le nom d'Anselme. J'ai voulu m'éloigner de cet autre nom qui m'a posé tant de malheurs. C'est là votre fils? Oui. Alors, je vous prends à partie pour me rembourser les 10 000 écus qu'il m'a pris. Lui, vous avoir volé? Lui-même. Qui vous dit cela? Maître Jacques. Vous voyez que je ne dis rien? C'est toi qui le dis? Vous voyez que je ne dis rien? Oui, voilà monsieur le commissaire qui a reçu sa plainte. Vous, pouvez-vous me croire d'une action aussi lâche? Coupable ou non, je veux revoir mon argent. À me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? C'est à vous de me dire. Ou vous choisissez de me donner Marianne, ou votre cassette sera perdue. N'en a-t-on rien noté? Rien du tout. Le ciel, avec un frère que vous voyez, vient de me rendre un père dont vous avez à m'obtenir. Allons, ne vous faites point dire ce qui n'est pas nécessaire d'entendre, et consentez ainsi que moi à ce double humilé. Il faut que je revoie ma cassette. Vous la verrez saine et entière. Je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes 2 enfants. Eh bien, j'en ai pour eux. Que cela ne vous inquiète point. Vous obligerez-vous à payer les frais des 2 mariages? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Oui. D'accord. Allons fêter l'allégresse que cet heureux jour nous présente. Hola, monsieur, hola. Tout doucement, qui payera mes écritures? Vous payerez donc le commissaire? Soit. Allons vite faire part de notre joie à votre mère. Et moi, voir ma chère cassette.
glissant les barres en bois. Et je galère parce que les glisses elles sont super petites. On fait un de maison. Alors bonjour, on est avec Colline. Alors Colline, tu fais quoi? On va attaquer la montée donc pour le spectacle Avare avec les 5C et leurs copains et un arbre. Elle est faite comme une cassette.